Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Sylvain Henley qui vous souhaite la bienvenue à cette émission Les Quilles à TVSQ. La série amateur tire à sa fin. En fait, il ne reste plus que 3 émissions seulement. Maintenant, à notre dernier rendez-vous, on a assisté à une fin de match dramatique qui s'est soldée finalement en prolongation, évidemment à la faveur de nos champions qui sont Denis Pinault et François Lafrance. Les aspirants pour aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils évoluent ensemble. C'est aussi leur première participation à TVSQ, donc il y aura passablement de nervosité au cours des premiers carreaux. Louise Charbonneau et Gérald Marcotte. Celui qui a la responsabilité de toutes ces rencontres, notre juge Guy Bolduc. Le marqueur officiel tout près de son tableau, Paul Jutras. Et tout de suite, un premier commentaire en compagnie de Serge Lemaix et Guy Bouchard. Merci Sylvain Ali, Guy Bouchard. Ben, on s'attend à trois émissions avec beaucoup d'action, mais il faut revenir au match de la semaine dernière, un match qui m'a rappelé un vieux dicton. Il ne faut jamais vendre la peau douce avant de l'avoir tué. Ah oui, Serge, c'est amplement raison. L'équipe de Gérard Lafond et Louis Lafond avait débuté la rencontre avec 6 abats consécutifs. C'était la troisième équipe. C'était la troisième équipe à réussir cet exploit. Et normalement, lorsqu'on débute avec 6 abats, on devrait terminer gagnant. Mais vous l'avez bien mentionné, on a laissé aller au 8e et 9e carreau, en fait que la partie s'est terminée à égalité. Et on a de nouveaux champions, la personne de Denis Pinault et François Lafrance. On avait une priorité au 6e carreau du côté des frères de Lafond. 62 quilles, M. Vlaming. 62 quilles au 6e carreau, c'est beaucoup. C'est assez pour éliminer à peu près toutes les équipes. Mais les champions qui sont avec nous cette semaine sont revenus à leur charge avec 4 abats consécutifs, 6, 7, 8, 9, 10. On parle d'abats consécutifs. Lorsque la première... Cette semaine, lors de cette émission, si une formation réussit à aligner 12 abats consécutifs, la partie parfaite atteint un chiffre magique, M. Bouchard. Oui, les 4 chiffres. 1 000 $. Alors... 1 000 $ pour la partie parfaite. Qu'on laisse maintenant les quilleurs parler par leur lancer. C'est ça, M. Fleming. Match difficile. 2 carreaux verts dans les 3 premiers jeux. Nos champions se sont ressaisis avec une série de 4 abats consécutifs. Ils sont donc tenants du titre pour un deuxième match consécutif, Denis Pinault et François Lafrance. Et maintenant, place à la plus jeune équipe de toutes les séries amateurs au réseau TVSQ. 2 jeunes quilleurs de 13 ans, Martin Bouchard et Alexandre Pépin. Oui, Serge, Martin Bouchard de Montréal et également Alexandre Pépin de Montréal, des deux quilleurs qui évoluent au Salon de quilles d'Iberville avec beaucoup de personnes désencouragées ici. Oui, M. Bouchard, vous voulez me poser une colle. Immédiatement, M. Blaming, vous allez peut-être la deviner, mais quand même. J'aimerais vous demander... D'après vous qui êtes statisticien hors pair, à quelle rencontre sommes-nous rendus que l'on débute à l'instant même? Et est-ce qu'il faut que je vous donne la réponse immédiatement? Parce que le jeune Alexandre Pépin, qui a un bon départ, met la quille. Je vous donne 30 secondes. Vous donnez 30 secondes. 30 secondes. Et la quille numéro 3, dis-je. Là, vous êtes en train de tout me déranger, me déconcentrer. Je vous donne 30 secondes. La quille numéro 6, voyons, demeure en place. Alors moi, je dis, c'est la... Oh, environ, je ne sais pas moi, 150e émission. Eh bien, M. Lemaing, votre erreur est... j'allais faire l'erreur également. C'est exactement la 200e rencontre amateur ici sur les étrangers. En fait, la 200e rencontre amateur. 200e rencontre amateur. Alors, vous n'aviez pas raison et notre réalisateur n'avait pas raison également. Alors, notre réalisateur lui avait dit combien? 224? Oh, mais il était beaucoup plus près que moi. Il y avait-il 224? Attention, nos jeunes au départ. C'est un carreau vert. Et lors de des 198 premières rencontres, on a eu 147 simples de 200, M. Lemaing. Des simples gagnants, 120 simples supérieurs à 200 et 78 inférieurs à 200 ont été des simples gagnants. Attention. Les perdants, naturellement, il y a eu 27 simples perdants au-delà de 200. Et? Les problèmes pour Denis Pinault se poursuivent sur la lettre. On a eu 3 simples de 279 qui sont toujours des records, les plus hauts simples. On a eu les plus hauts boursiers qui sont Joseph Mailloux et André Williams avec 2450. Et dans cette dernière série, les meilleurs boursiers ont été Yvon Boissonneau jusqu'à présent et Stéphane Poisson. Oui, avec 1 600 $. 5 victoires, c'est ça? 600. 5 victoires, on a perdu à la 6e. Oh, Mme Pinault, c'est très loin de la quille numéro 1. Finalement,
La quai numéro 8 a cédé, laissant en place les quais 1, 3 et 6. Toujours pas de marque pour Mme Pinault sur la ligne. Oui, il y a une trouée à son carreau précédent. Pas de marque depuis le début de cette émission sur la ligne 30 pour cette dame. C'est cette fois réussi. Une marque sur la ligne 31. François Lafrance, au début du premier match de cette émission, a connu beaucoup de problèmes. Deux trouées sur la tranche. Oh, pratiquement coupé. Presque coupé. Quai 6 a pratiquement demeuré en place. Alors, cette fois. François Lafrance qui nous vient de La Plaine et Denis Pinault qui nous vient de Saint-Denis-des-Plaines. Oh, attention, Vincent, c'est réussi. C'est la première fois qu'il touchait du côté gauche pour là-bas, sur l'allée 30. Les deux qui hier évoluent au salon de quai Saint-Anne. Donc, M. André Blouin, le gérant ou le propriétaire. Voilà. Oui, elle a traversé à gauche au dernier instant. Centre-gauche. Alors, sur la 31 maintenant. Non, c'est loin. Et voilà, c'est la réserve de Mme Pinault qui sera portée au dossier. Et c'est ça, c'est la réserve de Mme Pinault. Pointage de 20, donc priorité de 11 quilles au départ. Alexandre Pépin sur la ligne 30 maintenant. Qui a évolué au salon de quilles Iberville, 126 de moyenne lors des qualifications. Et vous savez combien de jeunes Alexandre Pépin c'est une moyenne maintenant? Oui, je le sais, mais j'ai hâte que vous le disiez aux téléspectateurs. 170. Incroyable. Alors, on sait que la qualification avait lieu le printemps dernier. Alors, maintenant, au début de saison, 170. Il est âgé de 13 ans, joue au quai depuis l'an dernier seulement. Oh, un peu plus, mais quand même, la marque est inscrite pour le jeune Alexandre. Et je pense qu'Alexandre nous a confié le pourquoi son secret de 126 à 170, c'est qu'il est parti d'une boule droite à une boule renversée. Oui, alors, changer de style de boule qui donne beaucoup plus d'effet. Il, petit à main, mais il contrôle très bien sa boule. Oui, en plein sans jouer là-bas. Voilà le premier abat de cette jeune formation. 13 ans de chaque côté. Merci maintenant Martin Bouchard. On va voir s'il y a du Bouchard en lui. Voilà la reprise. La jeunesse sur les allées. Bouchard a voulu renverser son tir, ça n'a pas fonctionné, donc vient s'asseoir immédiatement, un petit peu déçu, là. Pointage de 29 après deux jeux. Denise Pinault, j'ai l'impression qu'elle doit se sentir très inconfortable sur la 30. Elle n'a eu que des corps ouverts, des trouées, des écarts. Il y a toutes sortes de malheurs qui sont arrivés à Denise Pinault sur la 30. On lui a fait énormément confiance à son partenaire. Hein? Les crochets, ça fonctionne! Et voilà! Voilà! La période sombre est terminée pour elle. Sans trop de sourire, quand même. Beaucoup de concentration, pas Denise Pinault. Hein? Oh, mais en dedans, ça bouille, monsieur. 11 quilles de priorité. 32 ans pour Denise Pinault. Jockey depuis deux ans seulement. Elle évolue dans la Ligue des Couches-Tard, dont le président, M. Richard Rivet. Attention! Oh, monsieur, ça a traversé! Non! Elle a eu beau frapper à deux pieds sur l'allée. Non, ça ne fonctionne pas, la méthode. Alors, c'est la quille numéro 9 qui n'a pas voulu faire plaisir à Mme Pinault. Elle a dansé, valsé, oui, voilà l'expression de notre championne. Elle pourrait donner une quatrième marque consécutive à son équipe pour l'instant. Elle a forcé un peu son lancer, c'est raté. Son deuxième jeu ouvert. On rappelle qu'elle a pris des cours d'André Molissette, oui. De l'Ordanière. François Lafrance, 25 ans, jockey depuis 8 ans. Serge, il y a beaucoup d'action dans le domaine des quilles. Énormément. D'abord, les qualifications professionnelles, on va après se lancer, on vous en parlera quelque peu. C'est loin, Guy, c'est très loin. On doit récupérer la réserve, on a un carreau ouvert. Oups, on a simplifié les choses. Hein? Les quilles 10 a bien voulu céder. Oui, les quilles 1-3 demeurent en place. Oui, les qualifications ici pour la prochaine série professionnelle, le 9, le 16, le 23 et le 30 novembre. Et on se rappellera que les 2, 9, 16, c'est-à-dire que la semaine du 2 est également celle du 9 et 16. Après trois semaines, on fait une compilation. Et ce n'est pas du 41e au 60e que l'on fait 75$, et bien du 37e à la 60e position, recevront 75$ après compilation des trois semaines. Le jeune Alexandre Pépin. Le tir très à droite sur la 30, la fenêtre. Sandro Pépin qui joue dans la Ligue Saint-Jean-de-Bacmans, dont le président est Stéphane Whipper. Oh oui, non. Elle a chancelé également, mais non. Ça vient tenter. Un bon lancer. Montage de 9. Voilà, c'est... Elle est touchée, mais pas suffisamment.
Le bon tir, un deuxième avant consécutif pour Alexandre sur la ligne 31. Là, c'est la 30 qui a posé des petits problèmes. Et Martin Bouchard devra inscrire une marque. Ce serait sa première dans le match. C'est encore très loin à gauche. Et la comète, un bris difficile à convertir en réserve. Oui, il joue un peu rapidement ici, Martin. Certainement très nerveux. Il joue depuis 5 ans. Il est âgé de 13 ans. 143 de moyenne lors de la qualification. Et maintenant, également 170. Attention, c'est beau. Et, oh, converti en marque. Elle est importante. Oh. La Ligue de Saint-Jean-Batman, bien sûr. Et voilà la réaction d'Alexandre, très heureux. Voilà, Denise Pilon. Elle a réussi à maîtriser la 30 à sa dernière présence avec un abat. Le grand crochet, ça tourne à gauche. Oui, un deuxième consécutif sur la 30. Oh. Elle ne se laisse pas influencer du tout par les jeunes. Toujours, on skie, sépare les deux formations en faveur de nos champions. Pas encore de doublé, Guy, dans ce duel. En voici un. Ah, les prédictions de M. Bouchard. En voici un. Le grand crochet. Ça fonctionne. Oui, voilà. Oui. En voici un. Les jeunes qui reviennent. Et les jeunes, s'ils ne veulent pas que le fossé. La reprise, elle a demeuré à droite quand oui, même. Oui, ça a frôlé le troué, oui. Ça. Et les jeunes doivent réussir un doublé immédiatement ici pour ne pas. Se voir loin derrière. C'est réussi, le doublé par Alexandre Pépin. Oh! Toujours on skie, sépare les deux formations. Et ça joue vite. Le jeune Alexandre joue également dans la Ligue Fayon. Et voilà! Oh, qu'il est heureux! Alors là, vous pouvez voir que quand on vous parle de moyenne de 170, c'est possible. Il va voir évoluer de bonnes boules. Il contrôle son lancer à merveille. Ils n'abandonnent pas, les jeunes, hein? Denise Pilot, un doublé. D'ailleurs, le jeune Alexandre a déjà réussi 245 comme au simple. Et son partenaire, Martin Bouchard, lui, 257. Et en passant, Martin Bouchard, il n'y a pas tellement longtemps, en compagnie de Robert Moreau, que l'on a vu, oui. A réussi un triplé de 713 avec... Les deux premières parties en simple et la troisième au meilleur carreau. La formule quoi que de nos professionnels au petit c'est écran. C'est ça, exact. 713, c'est assez respectable, merci. Oui, on a eu beaucoup de pointages qui ont gagné avec beaucoup de victoires gagnées avec moins que ça. Oh oui, beaucoup de victoires. Alors, la concentration. Denise Pinault et François Lafrance sont bousculés par deux jeunes de 13 ans. Le grand crochet. Bon lancé cette fois-ci. En plein centre, un peu plein. Les quilles 3 et 6 demeurent en place. Et bien, pour parler des jeunes également, c'est des jeunes qui évoluent également au baseball. Le jeune Alexandre a déjà joué pour l'école Joseph-François Perrault. Il joue dans le Pee-Wee A. Et son partenaire, lui, tenez-vous bien, il a déjà accompli une partie sans point de coup sûr. Le jeune Alexandre étudie à l'école Joseph-François Perrault, mais il jouait pour la formation de Saint-Jean-Bacmans. Vous avez raison, monsieur. Deux jeux ouverts, Guy, ça c'est important. François Lafrance n'a pas travaillé depuis le quatrième carreau et se présente derrière deux jeux ouverts. À droite, quelque peu à droite ça du centre, monte. Ça revient. Un peu mince. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Il lui faut la marque, sinon on va céder le pas aux jeunes Pépin et Bouchard. Avec la réserve... Une priorité de 9 quilles pour les champions. Oui. La 9 quilles, ils vont disparaître, ces 9 quilles au sixième carreau, puisque les aspirants ont un doublé. Voilà. Alors, on a égalité présentement, mais un carreau vert au huitième pour les champions, on devra fermer ce carreau. Les jeunes ne semblent pas avoir l'intention de perdre immédiatement. Oh, et la France non plus. Oh, qu'il est important. Qu'il est important, cette relève. Deux marques derrière, deux jeux ouverts. Alors, les jeunes, eux, ont comme mission de poursuivre cette marche. Et c'est Pépin qui en est le héros avec trois abats consécutifs. En route vers un quatrième. Hey! Oh! C'est super! Oh, c'est le caractère. Oh, monsieur! À gauche, vous allez avec le tour. 129. On vient de prendre les 20 remarquez bien, les deux allées différentes, complètement différentes. Ils se placent à gauche sur la 30. Et la droite sur la 31. En plein centre.
les quilles. Deux cartes de main en place. Et voilà, pendant ce temps, le jeune Martin Bouchard. Oh, regarde. Il sent plus nerveux, lui. Oui, oh oui. Plus d'expérience, mais il sent plus nerveux. Le jeune Alexandre, toute performance jusqu'à présent. C'est fait. Et la marque. C'est fait. Oh, c'est sa cinquième marque consécutive. On va revoir Guy, le quatrième à bord. Oh, le sourire. Voilà. Très, très beau. Très, très beau. Et qu'il est très heureux, déterminé au possible. Et là, c'est important pour Martin. Martin n'a pas d'abord dans ce match. Ça remonte, Guy! Oui! C'est oui. Deux! Oui! Oh. Oui! Oui! Et ça, ça va aider psychologiquement Bouchard, Martin. Oh, et puis monsieur, son épouse, qui sont aussi bien sûr pour encourager plusieurs qui ont de la Ligue Saint-Jean-Baptiste. On voit le sourire des deux jeunes. Eh bien, la plus jeune équipe évoluer sur les années 30 et 31. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Elle est à la recherche d'une première marque dans ses trois derniers carreaux. Oh, monsieur, les jeunes Pépin et Bouchard viennent prendre les devants par 9 quilles au 7e carreau. Une perte d'équilibre. Le crochet fonctionne quand même. Voilà. Oui, l'important pour les champions, c'est de ne pas laisser de chance aux jeunes si on veut revenir, parce que la partie se termine en peu de temps. Le grand crochet au 10e, ça traverse pas tout à fait à point. Les quilles 3 et 6 demeurent en place. Alors, du travail pour François Lafrance, l'équipe qui a déjà empoché 600 $. Denise, l'approche de lancer. Oh, coupé! Jeu ouvert. Son troisième dans les quatre derniers carreaux. François Lafrance, neuvième jeu. Oh, qu'il y a de la tension dans l'air, monsieur. Bien en place sur les 30. Un peu à droite. Attention, c'est en plein centre. C'est bon! Très doublé. Bon dans l'air. Oh! On ne veut pas laisser. Alors, les jeunes vont certainement être obligés de finir en abat. Il semble que François Lafrance ne va pas donner aucune chance. Oh, Lafrance est et en train... on le comprend. Est en train de prouver qu'il a le potentiel et le caractère pour attaquer une carrière avec les professionnels. L'approche est un jeu ouvert, c'est dangereux. C'est bien lancé. Oui, oui Lafrance! Un triplé! Super! Oh, la jeune équipe sont à un carreau près, mais ils devront réussir peut-être un doublé. Ils ont peut-être besoin d'un doublé. Attendons voir. On peut réussir 2,49 côté. Les nerfs sont tendus. À droite sur la 31, le doublé! Un quatrième abord consécutif. En relève par la France. Oh! 208. On aura besoin d'un doublé à tout prix. À moins d'un faible pointage. Oh, monsieur! Même avec un faible pointage. On a besoin d'un doublé. Oh, c'est super! Oh, cinq abords pour terminer par la France, 238. Oh, quel changement! Hein? Un bon simple depuis un bon bout de temps. Là. Oui. On avait eu égalité à 215, mais on n'a pas été gâté juste avant ça. On a vu la reprise. Très bonne finition de François. Là. Alors, les jeunes devront continuer. Et Alexandre en puissance! Oh, oh, monsieur! Complètement à la gauche sur la lettre. Qui monte tout le long. Alors, on a besoin d'un autre abat. Un autre abat, ça donnerait 200. On peut faire égalité avec 29. 29 réserves égalité. C'est loin. Non, c'est loin. On devra remettre tout ça entre les mains de Martin Bouchard. C'est pas suffisant, malheureusement. On demande à son partenaire de venir recommencer ce que le jeune Alexandre a fait. On a besoin d'un abat, un pointage de 9 et une réserve pour égalité seulement. Ça prend deux abats sur l'allée 30 pour nous revenir dans la prochaine rencontre. Les jeunes qui ont très bien fait. C'est bon! Ils sont toujours en vie! Ils sont toujours menaçants! Martin et voilà Alexandre qui vient de pencher la tête. Et, oh, monsieur, des papillons, Bouchard, hein? Il semblait
très nerveux au début de la rencontre, il semble bien ressaisi. La concentration, il prend un petit peu plus de temps cette fois-ci. Très bonne sur la 30, qu'est-ce que ça va donner? Ça semble bon! Oui! C'est incroyable comme match! C'est la victoire! Ok, Martin! Ça confirme! Ça confirme les... Et voilà les deux jeunes de 13 ans! Oh! C'est incroyable! Oh, dans la défaite, il faut... C'était un duel. Fantastique, on vient d'assister à un des plus beaux matchs. Les jeunes ont tout donné pour arriver pour les parents. Écoutez, Denis Pinault et François Lafrance auront gagné un match en prolongation, une défaite incroyable. Alors, le sommaire de ce match, tout simplement superbe. De nouveaux champions, Bouchard Pépin, 2,49. Pinault Lafrance, 2,38. Une pause et on vous revient. Est-ce qu'on peut... ça peut-tu passer de commentaires? On a vu les larmes couler des yeux de ce jeune Alexandre Pépin. Alors... La victoire avec les larmes aux yeux. Eh oui, bien,